Bonjour à tous, je m'appelle Renaud Guirousseau, clarinettiste à l'Orchestre National de France et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo pour présenter la valse de Chostakovitch issue de la suite Jazz numéro 2, un grand tube de la musique classique. Et à travers cette vidéo, je vais vous aider à préparer le morceau. Donc on commence tout de suite ce tutoriel avec la partie de clarinette 1. Deux exemples musicaux, le premier de chiffre 3 au chiffre 4. Alors, le tempo indiqué est allegretto poco moderato. On va prendre comme tempo de base 160 à la noire. Donc je vous conseille dans un premier temps de le jouer un peu plus lentement au métronome pour être bien régulier sur les croches et bien précis sur les articulations. La nuance est piano et on a vraiment des points au-dessus des notes, donc un détaché court. Puis ensuite d'accélérer le tempo et enfin d'essayer de le penser à la mesure, donc à la blanche pointée pour donner le côté balancé, le côté valse. Le deuxième exemple est entre le chiffre 4 et 5, c'est juste un accompagnement en noir. Rien de très difficile, une succession de ré aigus. Ce que je vous conseille, c'est de bien souffler et de ne jamais couper l'air, même pendant les silences. C'est la langue qui va venir contre l'anche pour couper le son et qui va ensuite s'enlever, mais toujours avec votre air qui est toujours bien tendu pour une articulation plus précise et pour garder la nuance forte. Je vous conseille aussi peut-être de rajouter, parfois moi je mets la clé du si sur le ré aigu, ça l'arrondit un petit peu. C'est peut-être pas probant sur la vidéo, mais ça, vous pouvez essayer à la maison et ça peut peut-être vous aider un petit peu. Je suis ravi de vous retrouver prochainement, au moins en vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer les vôtres et les musiciens de l'Orchestre National de France et moi-même. On hâte que l'on rejoue tous ensemble à l'auditorium de Radio France dans quelques semaines ou quelques mois. À bientôt. Entrez au cœur du concert.